Quand le premier imam et comme vous l'avez vu dans les médias, suspendu, je crois, pour trois mois. Voilà, je vais euh, vous montrer ici. On ne dira pas que c'est Damaro. Même les médias, les médias en parlent. Voilà, même les médias en parlent. Voilà, quand, quand le premier imam suspendu pour 90 jours, vous allez voir dans les médias, mais vous allez voir les médias, on dit suspendu pour 90 jours, 90 jours par la notabilité. Ce qui est caché, on va vous détailler. Partagez au maximum. Ce pays, c'est-à-dire la Guinée, j'ai pitié de notre pays aujourd'hui. Makanera est sorti la dernière fois. Makanera a raconté tout ce qu'il veut. Ni la Ligue islamique, ni ces, certains religieux aujourd'hui dans le pays n'ont condamné les propos de Makanera. Vous savez, le premier L imam de Kankan, il a un fils. Yeah. beaucoup, je vais dire, proches ou qui aiment le président Alpha Condé, en un mot. Mais vous savez, aujourd'hui, le CNRD, vous voyez, il y a le mouvement partout aujourd'hui en Guinée. Dingirai, Zélekore, sigirin un peu partout. Mais Mamadi Doumbouya, il est de Kanka jusqu'à présent. Je ne dis pas Mamadi, les autres. Mais le CNRD n'arrive pas à s'imposer à Kanka. C'est-à-dire pour eux, le premier imam qu'ils trouvent en quelque sorte comme responsable parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Mais comme vous savez, les gens, le plus souvent, quand quelqu'un est là, ils sont avec lui. Donc, la notabilité, vous avez vu quelqu'un même qui est sorti pour dire le courant que c'est Dieu pour raconter des bêtises à un moment donné ici. Donc, à cause du Fils du premier imam, parce que son fils est proche du président Alpha Condé. Et je crois, dans le passé, son fils aurait dit à Kabako Solo, celui qu'on dit Kramon Solo, là, que la transition, c'est comme l'eau de ruissellement, ça passe. Mais... Ils n'ont pas aimé ça, les propos du monsieur. Ceux que veulent le CNRD, la Ligue islamique, la notabilité, ceux qui veulent Dumbuya, c'est que l'imam tient des discours politiques en soutenant Mamadi Dumbuya. À cause de son fils, on enlève comme premier imam que pour 90 jours. Et Alma Imam nadi, Al-Kaka, al là. Alma Imam à al al qui est imam là, Alka Kaluirel là. Mais au lieu d'accuser le fils de l'imam, au lieu d'accuser l'imam, mais qu'est-ce que Mamadi a fait Mamadi est en train de construire chez lui, Mamadi a construit une grande maison pour lui-même. La famille de Mamadi est en train de construire. Est-ce que depuis que Mamadi est venu, à de Trossolo, il a construit un centre de santé pour Kanka Abra de santé là. Que ce soit l'endroit où il faut Mamaya, c'est grâce au président Fakonde Ça a commencé avant Mamadi. Ni Kankabraké so moderne, Kanka est devenu une ville moderne. Bekalon jenekaque. Ka Kankabo Bambaro. Kanaka courant de Kankama. Pe Ali Faqobe qui est fils de l'Onbalilé. Vous voulez que les gens deviennent tous des ingrats Eh. Komma kunka fisani jamfay, alterna Beklay mo rocroi. Bekalon Yani Présal Fakonde, na quatre Nyamka. Mais ils sont en train de tout politiser. On enlève l'imam que son fils est ami avec Alpha Kondé. Et à denkema, il faut qu'il y a un ma manifestation qui Le fils de l'imam n'a jamais dit à quelqu'un de sortir. Le fils de l'imam n'a jamais dit à quelqu'un d'insulter Mamadi Doumoué. Le fils de l'imam a à Madiskouke ou bien Mata Misrila Kakoumakron fait Mamadima. Ni le premier imam. Mais vous pensez que la force là, hey, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la force. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est éphémère. Ça, je vous le dis à la bantou à la talima et s'est flanqué devant tout le monde ici. Car à soso, vous qui dites que non, qu'on l'a dit, allez premier imam. Makanera les propos de Macanera, d'un équipe ouri qu'on l'a dit, Altesla ala les propos que Makanera a dit ici sur le bon Dieu. Al-Simiouri, Koslama l'aldi. Ko vous défendez. Kalies la a défendu là. Alte monamana dablaba. Voilà. Alte monamana dablaba. Bangali kaba. Alou le Si c'est la vraie version. Si c'est pas la vraie version. Alou le kaolon. Sinon, ils allaient appeler la presse pour dire. Version Goreteo. Alta fois moulienne. Premier imam kamike. Alta faut mou mais nous avons défendu les propos de Makanera. combien de mosquées combien d'imams ont touché les propos de Makanera après quoi y est la jamaana lero mena mena mo li ici la la bussi à l'niakoro la que à aujourd'hui était vendredi montrez-moi les, montrez les mosquées je sais qu'il y a quelques imams qui ont touché mais montrez-moi combien d'imams aujourd'hui ont touché le sujet

al On suspend le premier imam pour, pour 90 jours. al Ça, je vous le dis. al Voilà. Partagez. Maintenant, direction. Dingirai. Attendez, je vais chercher des images. Si j'arrive à trouver des images pour vous montrer. Voilà. Euh, voici quelques images de Dingirai. Voici quelques images de Dingirai. Mais je vais vous montrer d'abord l'intéressé. Ma canéra qui parle de bac. Je crois qu'il peut aller demander le bac de Chiano Manju, Aujourd'hui, qui est en train de tromper Mamadou Dumbuya. Euh, je vais vous montrer l'image. Le monsieur dont je vous parle, c'est de lui, il s'agit. Euh, Makadera, j'espère que vous allez demander le bac de Tianomandou aussi, qui veut faire croire à Mamadou Doumbouya. Qui est le plus populaire au Futa aujourd'hui? Lui. Mamadou Dumbuya. Au temps du président Fakonde ici. Lui. Chez lui, il n'a pas pu avoir deux voix. Tchèno, Mamadou. Le voici qui est là. Si c'est lui qui va te tromper. Mamadi Doumbouya, que lui il peut mobiliser le fouta ou, ou Dingirai pour toi. Ah tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Il faut voir le nombre de personnes qui étaient à Conakry. Je vous montre les images. Hein. Toutes les personnes devant ici, ils viennent de Conakry. Toutes les personnes, les ministres, les directeurs. Regardez, hein. toutes les personnes devant, ce n'est pas la notabilité de Dingirai. C'est-à-dire le CNR de moi, je ne fais que, je ne fais que rire sur eux. Vous vous dites que vous êtes en train de mobiliser les gens à l'intérieur du pays pour soutenir Mamadi Doumbouya. Mais lorsque vous vous déplacez, c'est avec des centaines de véhicules, des gens venant de Conakry. Regardez toutes les personnes devant. Montrez-moi quelqu'un ici qui est devant ici, qui ne vient pas de Conakry. Montrez, regardez ici, tous ces gens-là, ils sont tous à Conakry. Tous ceux qui sont en chapeau-là, ils sont à Conakry. Vous, êtes, vous allez tromper qui vous allez tromper qui? Ici, là, sur l'image là. Vous allez tromper qui? Eh, C'est le bébé, bébé Apucho qui est devant comme ça. Eh, Moussa Moïse. Regardez Moussa Moïse qui est là. Voilà. Bébé Apucho. Eh, qui d'autre même? Oui. Bon. Regardez le guignol là. Eh, ce soir, Lui, il fait partie des guignols qui étaient sortis la dernière fois. Pour parler. Voilà, des forces vives. Ce guignol que vous voyez là. Ce n'est pas ce guignol qui est sorti pour dire Ah non, nous, voilà, on n'est pas opposé au CNRD. Voici le guignol qui est là. Est-ce que ces gens-là, qu on peut appeler des politiciens Voici un guignol qui est là. Tous ces guignols-là sont à Conakry, ils sont aujourd'hui du côté de Dingirai. Vous, vous allez tromper qui Tiannomandou, est-ce que toi, d'abord, tu peux être un modèle Tiannomandou, est-ce que tu peux être un modèle pour Dingirai J'aime pas rentrer dans les, dans les vies, comme on appelle, privées des gens. Vies de famille des gens. Mais tiens, non. Tiens, non. À Dingirek, tu le sais déjà. Un terrain qui appartenait à ton... C'est-à-dire à ton oncle, au grand frère de ton père. Toi, aujourd'hui, tu es en conflit avec tes cousines, avec tes soeurs, pour ce même terrain. Parce qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir. Mais pendant les 11 ans du président Kondé, ni tes soeurs n'étaient pas pour Alpha Kondé, tu étais là-bas, tu n'as pas pu récupérer ce terrain-là. Parce qu'aujourd'hui, tu es à côté de Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, c'est cette injustice qui va faire tomber le pouvoir de Mamadi. Kounfaya koun Fayakoun, toi, tu viens d'arriver. Regarde, en trois ans de Mamadi Doumbouya, la maison que tu as construite actuellement du côté de Dingray tu as quelle entreprise si ce n'est pas pour voler Ton passé c'est pas connu. Tu n'as pas voulu escroquer un homme d'affaires dont je tais le nom. D'une histoire de sexe, tu as oublié. Je connais l'histoire. Continue. Tu as voulu un malhonnête comme toi. Parce que tu aimes l'argent. Tu as voulu escroquer. Je dis bien, je tais le nom de l'homme d'affaires. Si tu me pousses, je mets, je mets tout devant les Guinéens. Tiens, non, Mamadou. Il y a plus malhonnête que toi. C'est vous qui allez être des modèles. Toi, tu peux être Dingirai, cette ville sainte. Toi, tu peux être un modèle pour Dingirai. Tchano Mamadou, combien de personnes sont venues de Conakry? Dingirai a toujours été dans l'opposition. Dingirai a toujours été dans l'opposition. Autant du président Fakondeba, même si Mamadi veut, ne qu'à faire tout. Dingirai a toujours été. Donc, euh ne cherchez même pas à, à dire voilà, Mamadi, tout Dingiraï. C'est la ville sainte. Voilà, Dingirai c'est une ville sainte. De la manière dont vous êtes des malhonnêtes, les Dingraïkas ne sont pas comme ça. Vous prenez des gens. Pourquoi, pourquoi déplacer plus de 200 personnes ou 150 personnes venant de Conakry pour aller à Dingirai Si vraiment les gens de Dingirai sont avec vous, il y a la mairie. Le préfet est là-bas, il, il y a la jeunesse, il y a les religieux, mais c'est tellement facile. Mais pourquoi mobiliser, prendre des gens dans l'argent du contribuable guinéen? Chenomandjou, la maison que vous, vous avez construite de côté de, de Dingirai, mais si en principe ça c'était l'hôpital de, de Dingirai, vous ne pensez pas que les gens de Dingirai même allaient applaudir pour Mamadi? Mais regarde, toi seul, un individu. Toi seul, ça, ça t'appartient. Tout le pays, toute la ville de Dingira n'ont pas bénéficié de ça. Vous pensez que les gens sont cons Ils vont continuer à vous suivre dans vos pétises Mais je te dis, moi, c'est un avertissement, que je te donne. Ça dit, si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas Makanera qui aime demander le, le, le bac des gens, mais Makanera, il faut demander le, le bac de Thiano Mamadou. Si Tiano Mamadou a eu son bac, où, dans quel lycée il a eu son bac n'est qu'à présenter au Guinée. Autant de Dadis, c'était les mêmes encore. La démagogie. C'était les mêmes qui ont induit Dadis. Il était encore proche de la manière qu'il est proche de Mamadi. Et c'est comme ça il était. C'est des opportunistes. Autant du président Fakonde, on ne les a pas ouvert la porte parce que c'est des malhonnêtes. C'est des escrocs. Des grands escrocs dans le pays. Il faut donner le terrain de, 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 ton, de ton oncle à ses enfants. Aujourd'hui, tu as tout. Hein? Tu as combien d'argent Tu ne peux pas donner ce terrain-là à tes cousins ou à tes cousines. Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, tu ne tombes pas sur quelqu'un. C'est sur ta propre famille que parce que tu es fort aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises-là. Il faut arrêter vos bêtises. Vous pensez que vous allez tromper les Guinéens ici vous pensez que vous allez tromper les Guinéens <laughs> Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Euh, le CNRD et ceux qui entourent Guiné-Dindé, guiné Nafiginde, artistes Artis Ndéra Guiné, Marafanoube, Kaoua, Okobriso, Kombitie, Ndére Kombitima et Rantan Kombi, c'est Seba Mantana. Une femme n'a rien à faire là, faire là, mané. Et basket Guinée, elles ont compris mon message. On m'aurait fini ma cobaya. Non, non, c'est ce que j'ai dit aux femmes de la basket. N'acceptez pas de vous faire manipuler par des gens qui ne sont pas des modèles. Nagana figure na nera, c'est quoi mané? Et c'est quoi milliard tongo? Et faut tant fini conira? Et faut tant fini marchandise ra? Basket tabara horo.

On a tout, caloumou évoluement, on na nara. On va nafiguya, nara caloumou évoluement. Sinon, ya parmi vous, il y a un en enseignant, parmi vous, modèle nandira, régime yonufa, on va nafiguya, kokoya, Alfa gata, nanafiguya, na sekouba konate gata, nanafiguya. Na Au bascote, quel loup, nat sonon. Car E moé, malima, e bolobine, quarantine, ils vont vider tout le monde bientôt.

C'est nous. Parce que Allah Baraba, tout le temps, nous nous sommes à l'étranger. Si vous regardez aujourd'hui, tous ceux qui communiquent, qui font des vidéos, vous allez prendre Tola, il n'est pas en Guinée. Vous prenez Benito, il n'est pas en Guinée. Vous prenez eh, Mamour Sila, il n'est pas en Guinée. Vous prenez Tidjan La Puissance, il n'est pas en Guinée. Vous prenez Paikusare, il n'est pas en Guinée. Vous prenez Konate de Libreville, vous prenez Matou, vous prenez. Il y a tellement de personnes, Pitaka. Tous ceux qui font des vidéos. C'est Dieu qui a voulu ça. sinon. Avec ces bandits-là, la Guinée fait à nous Parce qu'ils ont leur manipulation. Nous exposons ça, nous Nous mettons ça devant le peuple. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils veulent passer par tous les moyens. Vous savez, moi, je ris seulement, je ne mané à Rabira. Parce que je

moi, ça m'effraie ou ça me fait... Et il est you know, chaud ou froid. Non, ça, je vous le dis, vous vous trompez. En dénonçant yama, Mafari. Mais regardez ceux qui sont avec vous. Si ce n'est pas des féniers, aucun communicant ne va pas la négarer. Aucun communicant ne va la Parce que nous avons la bâche dans ma série. Bénito Biracolo. Tigan de la puissance. Biracolo. Communicant, donc, il n'y a pas Birin ou A Birin walima Yama. Fouillantémouné, Rade.

Il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Des bandits ne peuvent pas venir. Et coup d'État et le 5 septembre, ils étaient sur l'axe. ils étaient sur l'axe. Pourquoi ils étaient sur l'axe Pourquoi ils ont demandé à, au président Seloudale de les soutenir, à Sidi Atouré au FNDC, le FNDC est sorti, fait des tournées ouest-africaines. Kunduno, Fonike Mange, Bilo, tous ces gens, eh, Ibrahim Diallo plutôt. Ils les ont soutenus ici. Nere Wayamato, hein? FNDC à Vous n'avez pas parlé depuis le début. Hein? C'est parce que les bandits ne veulent pas partir maintenant. Vous allez parler que le FNDC à Soriki a mené. Vous allez dire, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Et ils nous ont dit ici, ils ont fait le coup d'État, qu'au troisième mandat, que la justice était instrumentalisée. La justice d'aujourd'hui, là. ce que Touré est en train de faire, au temps du président Alpha Condé, le FNDC, opposé au régime d'Alpha Condé, on avait arrêté les Phonikemangé ici. Charles Wright, à l'époque, il était l'avocat des Phonikemangé. De Charles Wright a libéré ces gens-là ici. Charles Wright a libéré ces gens-là ici. Donc, euh, non dit en... Aranyoma non dinama ongan non di flamou D'abord sur le plan religieux, Ouattoro Macanera insulte Nakanaba Fayiki. Ouattoro est en train de Ce plan économique bira kolo la situation à denaret. Le gouvernement du CNRD n'a même pas payé les fonctionnaires guinéens. Je vous ai dit le mois là, 20 000, 20 000 francs guinéens et c'est ce qu'ils ont prélevé sur le salaire de chaque militaire. Demandez vos frères qui sont militaires. Et c'est pourquoi le chef d'état-major de l'armée de terre, il disait oh, laissez les réseaux sociaux. On va laisser les réseaux sociaux. Vous avez vu la gestion d'un pays où les médias ne doivent pas parler, où on ne doit pas critiquer. C'est la chose publique, comme l'a dit Mamadi Doumbouya, chef d'état-major de l'armée de terre. Donc il faut pas... Nous, on a un respect pour vous. Si vous ne voulez pas ce respect-là, on, on sait comment, voilà, nous occuper de vous. Comment vous, vous allez dire aux militaires, hein Gestion de la chose publique, les médias fermés, personne ne doit dire ce que le CNR est en train de faire. La douane aujourd'hui, on parle de plus de 800 milliards, 800 milliards. Donc, euh, famille...

Malabec serait avant le coup d'état c'était combien? Nyambarame rakko ebarana ragoro na bara fin 300000. He! Omuseseraba. Vous n'avez rien fait de mieux que le président Alpha Condé. O mengen rambar na anan raméré. Omuseseraba. Lagneke no mafalade alhamdoulillah. Courant après Alpha Condé il a mes barrages. Il a mes barrages Alpha Condé. La route nationale, vous êtes venu ici au pression de vos chinois ils ont versé du goudron sur la route après seulement une année à birima des milliards jetés à l'eau on dit des échangeurs Alpha Condé non en gouvernement Alpha projet Belébelé le CNRD ils n'ont pas financé rien du tout regardez 36 regardez Kagbele et regardez Bambeto allez-y dans les autres capitales allez-y à Dakar partez à Bamako partez à Ouagadougou allez-y à Bijan. Allez-y voir dans ces capitales ce qu'on appelle échanger. Eux-mêmes, ils disent échanger de Bambeto. Pourtant, ce pas échangé. Le plan initial est là-bas. Le plan initial c est là-bas. Mais je me dis, je l'ai fini, ceux qui réfléchissent grand. Alors, le gouvernement du président Fakonde. Ils ont travaillé. Trouver le financement de faire des échangères. Mais regardez ce qu'ils ont fait à Bambetou. Mais le Guinée ne veut ils veulent même pas évoluer. Et quand on, on parle de ça, qu'on beauté. Merci mon frère. Voilà. Merci. Souleyman Touré. Donc, quand on parle de ça, ils disent que non, on n'aime pas la Guinée. On ne veut pas que la Guinée avance. Non. On critique pour que ça, ça, ça évolue. Pour le développement de tout un pays, il faut critiquer sans insulter, donner des solutions, comme je le dis. Mais prenez l'exemple sur le Sénégal, prenez l'exemple sur le Burkina ou le Mali. Burkina, allez-y voir. Mais on est là quand on parle, oh, vous êtes là à saboter. Pourtant, c'est l'ancien régime dont vous vous appelez là, ancien régime. Pourtant, ce sont eux qui ont trouvé le financement, monté le projet. Le plan est là-bas. La maquette est déjà là-bas. Il fallait nous donner ce qui était sur le, sur le papier. Mais allez-y voir Bambeto. Avec l'augmentation de la population. Mais regardez ce qu'il y a Bambeto. Allez-y voir en Côte d'Ivoire. Il y a des tunnels. C'est trois voies. Trois voies. et retour. Trois voies. Mais chez nous, passerelle. Du côté de Kabélé. Malgré que là-bas aussi la densité, elle est dense. Là-bas encore, on nous donne passerelle. Et on est là que nous, ils sont en train de travailler.

le CNRD n'a n'ont pas de savoir-faire, ils n'ont pas de plan. C'est ce Balance me à Amara misekolo. Mais franchement, il faut ça dit oh, oh, évoluer. C'est ça que j'ai dit hein. Maman dit "Tu peux être le président, tu n'as rien dans la tête." Mais lorsque vous êtes entouré par les bonnes personnes. Alpha Condé voilà bien Alpha Condé, chef de quartier, fini Mais c'est pourquoi le président Alpha Condé, les anciens de Lansana ancien Conté, Amoune Walade Quelqu'un qui travaille dans l'administration. Pendant 20 ans. Il a de l'expérience. Il, il y a de l'expérience dans ton goma. Il a de Il a de l'expérience dans son corps. Il a de Il raconte Birin Mais tu ne viens pas ramasser des vagabonds. Tu viens ramasser des vagabonds. C'est lui qui pilote le projet Simandou. Regardez-le. Des gens comme les Makoso. Et, non mais... Et puis, vous savez, les gens sont dans l'émotion. Il y a un même année, dit, j'aime la Guinée. Moi, si Damaro, je veux, je n'ai qu'à chanter. Moi, j'ai défendu le président Ouattara ici. Face aux panafricains, ceux qui me suivent ici, j'ai fait combien de vidéos ici Je n'ai jamais accepté que les panafricains insultent le président Ouattara ici. J'ai parlé du développement de la Côte d'Ivoire. Combien de vidéos j'ai eu à faire ici Vous pensez qu'il y, y a un membre du gouvernement ivoirien qui m'a appelé pour me féliciter Non. Amouna Kira. Voilà. Amunahira Kira. Moi, j'ai fait combien de vidéos en défendant Quelqu'un m'a appelé de la Côte d'Ivoire pour dire, voilà, Damaro, non. Mais Makoso, qu'est-ce que Makoso peut donner, même dans son propre pays Il n'est même pas... Ça dit, un ancien voleur, lui-même, il dit qu'il est gangster. Si ce n'est pas qu'en Guinée, qu'on ramasse des déchets, qu'on valorise des déchets inutiles. Des gens comme Makoso, des véhicules d'État, des VA, véhicules administratifs, on met à sa disposition. Le, on lui donne de l'argent et il est en train d'humilier, rabaisser le Guinéen. On, on, une dernière vidéo, il est flanqué quand il a donné 1000 dollars à un handicapé. Mais le Guinéen ne comprend pas. Le gars est en train de construire, c'est-à-dire son image, parce qu'il est pourri. Il n'a pas, pas de place en Côte d'Ivoire. Mais le Guinéen est là. Hé, hey, Makoso, c'est bon. Makoso, quand il part en Guinée, il ne part avec... C'est-à-dire même Moro, 5 francs. Il ne voyage pas avec 5 francs. C'est les bandits, les vendeurs de drogue de Conakry qui lui donnent les djibas, les amaras, là, les complexés. Parce que c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ils n'ont aucune notion de la République. Ce sont ces voyous-là qui lui donnent de l'argent. Et ils viennent insulter toute une nation à travers ce cinéma. Oui, a fait, il a fait un geste. Ma cause à quoi Ma cause quel revenu On dit non, il a des mains... Mais franchement, respectez la République. Hein. Respectez la République à un moment donné. Arrêtez vos bêtises-là. Si ce n'est pas le CNRD, est-ce que Makoso va venir en Guinée Lui-même, regardez dans une des vidéos, il dit, ah, vous avez dit c'est paradis. Nous tous, on va aller au paradis. On va venir. Oui, venir. il va venir manger. Il va venir manger. Quelqu'un qui n'a même pas d'église, qui se dit pasteur, il n'a pas d'église. Il n'a pas d'église. On a des audios de ce monsieur-là, en train de mentir, que je ne sais pas l'eau de quoi, là. Que lui, il envoie aux gens, si tu es, tu es stérile, tu des mensonges. Un gros menteur. Mais tu vas voir des. Jusqu'à présent, il a Conak. On paye son billet. Il vient, il est logé dans les hôtels 5 étoiles. On met des gardes de corps. Et on a vu le, le, le guignol de ministre de l'économie, Mourana. Et Makoso lui dit euh, l'économie guinéenne est stable. <laughs> oui, c'est stable, feu. C'est stable à zéro. Oui. C'est jusqu'en bas, c'est stable en bas, là-bas. Il fallait voir quelqu'un qui est. Eh non, mais c'est le Guinéen qui sait se rabaisser. Hein. C'est le responsable. On a vu le ministre de l'économie et des finances, Mourana. Parce que Makosa a dit, hé, hey, l'économie, et il s'élève, il, il applaudit des bêtes comme ça. L'économie est où? Tu as pu avoir les 600 millions, Mourana. Parce que vous êtes tous des guignols. Tu es as, tu as allé auprès du FMI. Tu as eu Le FMI, ils t'ont donné les, les 600 millions. Des guignols comme ça. Vous Arrivez aujourd'hui à payer les fonctionnaires des guignols jusqu'à aller prélever 20 000, 20 000 francs guinéens sur le salaire des militaires. C'est pas vous, hein? c'est les militaires. Ou oh, alors, c'est les militaires. On a vu les vrais militaires ici. Autant de feu général, ça raconte des son âme. On a vu les grands là ici. On a vu les tomba ici. Leur revendication, c'est pas pour faire coup d'état. De... Leur revendication, c'était de... d'améliorer leurs conditions de vie. On a vu ici les grands colas à l'époque eux ils n'ont pas fait de coup d'état à ça n'a hein. mais pour revendiquer leurs droits et rendre ça et rendre ça 11 ans du régime d'Alfa Kondé qu'est ce que le FAMAN n'a pas fait pour vous mais autant la Guinée, sorry, comme au barreau il était finis garçon princesse Awa. n'a pas ma princesse et n'a Bama ma aura et au sougou un beau matin ils viennent décret 700 personnes radiées décret 1000 personnes à la retraite parce que au il était finis au bravo fini princesse nana, garçon princesse, au tambour, au bourré. ils ne sont pas des élus du peuple. Et tongo, na na otanira, au doro, au yatire, au Miskin. Pourtant, le coup d'état, force spéciale, et il y a 500 personnes, il ne dépassait même pas 500 personnes. L'armée guinéenne, 42 généraux, on vient, on les met à la poubelle. 200 et quel commandants, vous avez tous les camps. Vous avez armement je oyira Mais au Doro, au Garo, je me dis Hé, il y a un moment où je a C'est-à-dire, moi-même, je veux, les civils, ils n'ont qu'à donner euh, l'argent de pension à ces gens-là. Mais la Guinée, je ne sais la si village. Parce qu'à la barre, il y a un Des généraux, c'est un colonel qui fait coup d'État devant vous. On dit l'armée, c'est la hiérarchie. On dit l'armée, c'est le respect. L'armée, n'a pas d'angira, n'a d'angira, mais au C'est pourquoi j'ai dit que c'est le désordre qui y a en Guinée. Il n'y a plus de respect. Respect, Yomuna. Un caporal des forces spéciales, il peut gifler un colonel de l'armée. C'est ce mot, Minimakou. Un caporal des forces spéciales aujourd'hui est mieux payé que un colonel de l'armée. Est mieux entretenu que un colonel de l'armée régulière. Parce que c'est ça ce que vous avez voulu. Il y a eu un peu Il y a eu un peu de Il y a eu un peu Il y a un Le 5 septembre. Oh, troisième mandat. Attends, troisième e mandat. Maman dit aussi. Ils ont dit ici les beaux discours. Coup d'état constitutionnel. Ok. Maman dit la constitution que lui il a mis en place. La charte de la transition. Afin de ma coup d'état. Il y un coup d'état. Il y a eu un coup d'état. Il y a eu de la transition, ce qui devait lui blanchir

Kassali n'est Birin a décidé. Il a 200 et quelques commandants. Il y a l'oreille. Ok, coup d'état rabat fait Alpha un Problème marre. Ok. Mais, Mamadi Doumbouya Tamoufindi m'a menguera. On a l'a menguera le 5 septembre. Mais, Oto Garou, Mamadi Doumbouya Fatihou Yara. Colonel, autant. Généraux, 42 généraux. Au Birin, c'est poubelle. Commandant aura unité. Bata dans force forces spéciales aux dangue dans les mais au oh, Garou vous avez eu peur mais le résultat est là Obiri Obiri Feto. Sadiba Mindeto. même ne serait-ce que Samouria le jour du coup d'état et c'est pourquoi ils ont éliminé Monsieur Kondé. tout ça ça faisait partie des préliminaires du coup d'état Monsieur Konde de Kindia. de à la tout ça ça faisait partie na Colombie a Grande rasée et les balas là. Et Colon n'a rien fait. Monsieur Condé, s'il y avait quelqu'un qui aimait le président Alpha c'était Monsieur Condé. Même la garde présidentielle, Monsieur Condé était au Burkina pour superviser. Dadis était là-bas. Dadis avait assisté à la cérémonie. Monsieur Condé aimait Alpha Condé, mais ils sont venus monter des faux coups. Éliminer Monsieur Condé et ses enfants. Et colon, même l'affaire de, de crash de l'avion là. Demandez s'il si y a eu le rapport. Ceux qui avaient le rapport de l'accident voilà, du chef d'état-major, euh, je crois que c'est Kelefa qu Diallo. Demandez s'il si y a eu un vrai rapport. Qui a ordonné de prendre l'avion En tout cas, ce n'était pas le président Fakonde. Mais tout ça, ça faisait partie du préliminaire de leur coup d'état. Il fallait les Degol, les Noutiam, tous ces faux complots. Tous ces faux complots. Ça faisait partie. Comme hier, j'étais avec euh, euh, un frère là dans le live. C'est ce qu'il disait. Il dit, Damaro, moi, je n'ai jamais été Alpha Condé. Hein. Voilà, j'ai toujours été euh, opposé au régime d'Alpha Condé. Mais la vérité, on ne peut pas cacher. Lorsque vous prenez euh, le temps du président Alpha Condé, qui était le chef d'état-major, Namouri? Il était dans le coup d'état ou pas? Il était dedans. Qui était le commandant des, des forces spéciales, euh, Mamadi Doumbouya? Qui était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura. Quels sont ceux qui étaient au renseignement Idi Amin, malgré qu'il venait de partir, mais tout ce qui était renseignement et autres. Mais on disait qu'on tuait les jeunes voilà, de l'Axe, ainsi de suite. Mais les autres, c'est les civils. Damantin est civil, Docteur Ghani est civil, le président Fakonde est civil, Damaro est civil, Docteur Kassour est civil. Ok. Pour, pourquoi. À l'époque, on n'a pas mis fin à tout ça. Pourquoi, à l'époque, à chaque fois on disait des manifestations, c'est après les manifestations qu'on nous disait il y a des morts. Bon, ils ont fait le coup d'état. Ça a continué ou bien ça n'a pas continué. Sur l'axe, il y a eu combien de morts aujourd'hui? Pourtant, Pourtant, on ne parle même pas d'élection. Pourtant, on ne parle même pas d'élection. Il y a eu combien de jeunes? Combien de jeunes en moins de trois ans qui sont tombés? Et avec des balles réelles, au moins au temps du président Alpha Condé, il était difficile de montrer une image. Voilà. Parce que on voyait toujours le général Bafoué sur le terrain, les journalistes, mais il n'y avait pas d'image pour compromettre le gouvernement. Mais au temps du CNN, c'est tellement, c'est flagrant, c'est devant tout le monde. C'est là que vous devez comprendre que le président Alpha Condé était pris en otage par les mêmes personnes. La branche radicale du régime d'Alpha Condé, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Parce que le président Alpha Condé le disait. A Kafoya que c'est un cadre malinqué, c'est des malhonnêtes. A ma foi, Ok, Certains cadres, Ceux qui ont fait le coup d'État, est-ce qu'il y a un forestier dedans Parmi les quatre aujourd'hui, ceux qui commandent, est-ce qu'il y a un Peul dedans Est-ce qu'il y a un, un Soussou dedans Je vous dis, même le président Alpha Condé était pris en otage par les mêmes personnes. La manipulation. Pour éliminer les Cham, les, les Degol, la manipulation, pour éliminer M. Condé. Hey, la vérité finira toujours à triompher. Les gens, ceux qui rêvent que Mamadi va changer ou bien le régime là va changer, vous pouvez continuer à dormir. Rien, S'il n'y a pas de rapport de force, rien ne changera. Ça, je vous le dis aujourd'hui, haut et fort. De la, comme l'a dit Alpha Blondie celui qui règne par les armes périra par les armes. Voilà en C'est le fait qui coupe le fer. Mais vous avez vu les dadis après la mort de Feu Général Lansana compté, ils sont venus. Il y a des gens qui ont voulu manipuler, encourager Dadis à se maintenir. Ça a mal tourné. On a vu le 28 septembre. Sekouba Konati est venu. Il, il n'a fait que une année, moins d'une année, il est parti. Ils n'ont pas les mêmes parcours. Dadis n'a pas le même parcours que Mamadi Dumbuya. Les a Konaté n'ont pas le même parcours que les Amara et ces gens-là. La vérité finira toujours à triompher, je vous ai dit depuis le départ. Beaucoup ont dit ici, oh, mamadi, le Thomas Sankara, le Che Guevara. Mais la vérité est devant vous aujourd'hui. La vérité est devant vous aujourd'hui. La vérité est devant vous. Donc, euh, famille, bon, comme j'avais dit que je partais en congé, les Sinanis étaient contents que, c'est tous ceux qui soutiennent, hein. Mamadi, ce n'est pas tous les Sinanis. Hein. Je sais que tout les, la majorité des Sinanis, quand même, me supportent. Mais ils étaient contents parce que vous, vous avez vu, j'ai mis 32 là-bas. Ils étaient déjà contents. Hé, aura cessé mon Aura cessé. Nous n'allons pas laisser les réseaux sociaux avec le ou le modou, ou les fallait n'agafala mappu tota tina mappu mappu bette fala ade muta munafala fala fenda kama fala koto ade ade naga miri fala wule nara na wule mudwe munu ne kere marago munu kubiti kere marago aha Donc si vous voyez quelque chose grâce à votre bénédiction ça fait trois ans in jour pour jour vous le savez je fais des vidéos au rabat au bénédiction "o ta falamanaki ala hara ala hara ira kanta. o ta falamanaki ala kanta ala hara kanta. ora benediction. ora benediction. nanana mafuora di. aha na dange milion na inoma million sono me gira afura na munafama. me inu dwawraba ala hara protégé. il y a rien de si riche que la santé de quelqu'un. parce que bara un barafémo bilinaba. Mais je dire, je dire, je dire, je dire, Tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa Ta'ala. Dieu te protège. Donc euh, ne vous inquiétez pas pour moi. Même si vous vous voyez dans, dans ce que je fais, mais Je n'ai pas la conscience tranquille. Je suis aux États-Unis. J'aurais voulu être en Guinée un jour même on leur donne 50 ans de pouvoir. La guinéen musika m'aide, ne m'ouvre pas les Et faire et être un malide, et m'ouvrir la guinéenne malide, et faire et rafamé malide, et n'y et proche et Bor porte. Sinon, depuis le 5 septembre, Birakolo, situation à Dénéré. Nous avons connu des moments difficiles. b Ebola, Ebola, frontière fermée. Mais rien n'a mouchoum, relation neira, l'on neira, mais il faut que nous neira, affaire, la Guinée-Moutoros. Crise politique à Birinababé, COVID-Fabé, gouvernement, six mois, l'eau, cadeau, al -barak. tous les bus là sont gâtés aujourd'hui. Tous les travailleurs au chômage, depuis que le CNR est venu, et à Wali, wali à ils sont en train de fermer seulement. Et t'as mis emploi à Arriba, Arriba, Arriba a... À... Licencié combien de personnes La société MTN. Et bah là, licencier licencié tout. Parce que c'est Internet Cana. Il n'y a pas de rendement vous Depuis CNRDF, ou entreprise CNFLA, Nagan Fala, aliam de Biring. Parce qu'ils n'ont pas étudié le port de Conakry aujourd'hui. La nuit, si on pouvait avoir 500 dockers, ou 1000 dockers aujourd'hui, si c'était 1000 dockers aujourd'hui, ils peuvent même pas avoir 400. Demandez les gens. Autant de présents, c'était 250 à 350 conteneurs. Allez-y, demandez les douaniers parce que Bringaro, mais demandez les gens en privé où est ce que fala a, autant douaniers autant de n'abe. Conteneurs il nous a mabé. Na l'éricé ça les borogo. La Guinée. que qu'elle m'a Côte d'Ivoire, tu peux acheter nos commerçants pouvaient acheter des marchandises à Conakry aller les vendre en Côte d'Ivoire. Et tout ça c'était bon. Mais tout et comme on a Lorsque vous enlevez un régime, vous faites mieux que ces gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous n'enlevez pas un régime et vous faites. C'est-à-dire l'arrogance comme les Amara. Quelqu'un qui se flanque devant nous pour dire nous ne sommes pas en transition. Alors Ababa la Alors il a été élu des fanfarons comme ça. Là. Se flanque devant les Guinéens. Voilà, je vais le dire directement. Nous aussi on te dit fanfaron de Amara. Tu n'es pas le lieu du peuple. Tu n'as pas droit au respect, Amara. C'est vous qui avez fait le communiqué ici, devant les Guinéens, interdisant les mouvements de soutien. Et pourtant, tu vas te flanquer à Zéro-Coré. Pour, pourtant, vous êtes en train de vous pavaner aujourd'hui. Qui a lu le communiqué ici Ce n'est pas toi, Amara. Ce n'est pas toi, Amara, en interdisant les, commun... eh, 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 les, les manifs. Attendez, je crois que j'ai le communiqué ici. Ça dit, moi, quand je vois ces guignols comme ça, là, parlez avec arrogance. Oui, on a. Mais asseyez-vous. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Wallahi. Omou la Guinée, Voilà. Chef de l'État, Chef suprême des armées. Rappelle au glorieux peuple de Guinée uh -huh. l'interdiction des uh -huh. manifestations uh -huh. de toute nature sur la voie publique, uh -huh. marches de soutien, galas, uh -huh. uh -huh. tournois sportifs ou tout Pourtant, vous êtes en train de faire des tournois sportifs. Parce que vous savez, si c'est purement politique, les gens ne vont pas venir. Et vous savez que le sport, c'est. Voilà. C est, c est, c est, cette activité est aimée dans notre pays aujourd'hui. Donc, il faut attirer les jeunes, les donner des maillots. Les, voilà. Vous savez, même si c'est moi Damaro aujourd'hui, je vais à Dingira, j'organise un tournoi aujourd'hui, les gens vont sortir. On profite de ces tournois-là pour parler des mouvements de soutien. Pourtant c'est vous qui avez lu le communiqué. De la manière dont vous acceptez les mouvements de soutien pour Mamadi, acceptez aussi que les autres, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, organisent des mouvements aussi de soutien à leur leader. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Vous vous donnez de l'argent, vous mobilisez de l'argent. Donc, laissez les gens tranquilles. Vous allez comprendre bande de guignols que vous êtes. Thank mm -hmm.